Où que vous soyez, excellent week-end à tous et à chacun. Messieurs et dames, c'est la grande édition du journal sur Actu 30 TV. Tout de suite, les titres. La présidentielle de décembre 2023, aux côtés de l'UDPS et l'UNC de Vital Kamerhe et le parti politique Mouvement de Libération du Congo, MLC, et les regroupements politiques à nous, débattus en les Congo ont désigné Félix-Antoine Tshisekedi comme leur candidat. Cette désignation après leur congrès respectif tenu ce samedi à Kinshasa. Du côté de l'opposition, Adolphe Mouzito a déposé sa candidature à la course présidentielle pendant que Martin Fayulu Madidi, jadis non partant au processus électoral, décide de déposer également sa candidature dès la semaine prochaine. Le leader du mouvement des libérations du Congo MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, va soutenir la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi pour la prochaine élection présidentielle prévue le 20 décembre. Il a annoncé sa décision ce samedi 30 septembre lors du 4e congrès des représentants organisé par le MLC à Kinshasa. L'ancien vice-président de la RDC a promis de tout mettre en œuvre pour donner un second mandat au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Un serpent tombe dans une pirogue naviguant sur le fleuve. L'urgence pour tous les passagers est de jeter par-dessus bord le serpent, un truc pour la quiétude de tous. De même, quand un ennemi attaque un village, tous les habitants de ce village se mettent ensemble pour se protéger et mettre hors d'état de nuire les assaillants. Dans les saintes écritures, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Le MLC réaffirme son appartenance à l'Union sacrée de la nation. Comme témoin privilégié de la volonté du chef de l'État de transformer profondément notre société pour mener notre pays vers le développement, d'assurer sa sécurité et d'imposer la paix à l'intérieur de nos frontières. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas présenter ma candidature pour soutenir notre frère, Félix-Antoine Tshisekedi. Le participant à ses assises a salué cette désignation du président de la République comme candidat du MLC, Maître Paul Djonga, cadre de cette formation politique, souligne que les Congolais doivent s'unir autour de Félix Tshisekedi. Vous savez, comme le disent les Saintes Écritures, il a répété qu'il est mieux que les frères et sœurs demeurent ensemble. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas baisser l'élan qui est déjà lancé pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, nous devons poursuivre cet élan pour essayer d'apporter des solutions à notre peuple. Il est important de noter qu'à chaque fois que le pays recule, parce qu'il y a des renouvellements brusques, il y a tout un programme déjà engagé, il y a toute une dynamique engagée pour la reconstruction de ce pays, pour le développement de ce pays, il est important d'achever le travail. Un village qui brûle, il faut se rassembler pour éteindre le feu. Le Congo est aujourd'hui d'une victime injuste par le Rwanda, qu'il faut citer. Et aujourd'hui, tout Congolais n'a de devoir que de rassemblement. Et ce rassemblement, aujourd'hui, est derrière un homme, Félix-Antoine Tshisekedi. Et comme le disait le président Jean-Pierre Bemba, il est témoin de la volonté de cet homme de vouloir restaurer l'intégrité territoriale du Congo. Le regroupement politique à nous débattir le Congo a tenu son conclave extraordinaire ce samedi 30 septembre. Il était à question lors de ses assises de désigner leur candidat à la course présidentielle le 20 décembre prochain. Ces regroupements politiques de Maître Guilouando Mboyo a porté son choix sur Félix Tshisekedi au vu des actions menées sur terrain pour le développement du pays. Le regroupement politique à nous débattir le Congo réitère son soutien au processus électoral en vue de l'organisation des élections libres, transparentes dans le délai constitutionnel. S'agissant de l'élection présidentielle, le regroupement politique AMB porte solennellement son choix sur la candidature de son Excellence
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auquel il apporte son soutien indéfectible pour un second mandat de 5 ans en tant que président de la République. Ses soutiens à la candidature du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait suite à son leadership responsable et sa vision nettement claire, centrée sur le bien-être des Congolaises et Congolais, la défense de l'intégrité du territoire national, ainsi que le développement du pays. Voilà pourquoi les regroupements politiques AMB à nous de bâtir les Congos est déterminé et se range en ordre de bataille à côté des autres formations politiques qui partagent la vision éclairée et clairvoyante du chef de l'État. Je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour gagner les élections législatives nationales, provinciales, communales, afin de lui offrir une majorité confortable dans les différents organes délibérants de notre pays. Et de son côté, l'Union sacrée de la nation va tenir son congrès ce dimanche 1er octobre à Kinshasa, note le présidium de cette plateforme politique et électorale. Ses assises devront à coup sûr entériner la candidature du président de la République, Félix Tshisekedi, à la prochaine présidentielle. Déjà, plusieurs sources annoncent le dépôt de sa candidature la semaine prochaine à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. L'initiateur du parti politique de l'opposition Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, a déposé ce samedi à la CENI sa candidature pour l'élection présidentielle prévue le 20 décembre. Après le dépôt de sa candidature, l'ancien premier ministre de la RDC a souligné que ses motivations sont entre autres libérer les Congos sur les plans politiques, diplomatiques, économiques et sociaux. Les motivations sont essentielles, à savoir libérer les Congos sur les plans politiques, diplomatique, économique et sociale. C'est-à-dire engager le Congo sur la voie de sa construction, son développement, de manière à ce que le Congolais vive normalement et ait des conditions pour faire étudier son emploi et des conditions nécessaires pour avoir un logement approprié, travailler dans des conditions les meilleures avec une bonne rémunération qui soit digne d'un être humain. C'est toujours possible, et tout dépend des programmes que les uns et les autres vont présenter. Est-ce qu'il y aura convergence ou pas? Je suis tenté de penser que c'est très difficile. Moi, j'ai bien déployé mon programme d'équipe en tant que candidat président de la République, mais je vais, puisque j'ai été élu comme président de mon parti politique, nous allons entrer bientôt à l'université populaire pour synthétiser notre offre politique que nous allons discuter avec mes camarades, candidats députés, pour que nous ayons un programme de gouvernement à côté du programme du président de la République dont nous ferons les deux programmes feront l'objet de ce texte. Et à partir de ce moment-là, nous allons commencer à regarder dans la classe politique quelles sont les différentes visions, quels sont les différents programmes de loi, quelles sont les synthèses possibles avant ou après les élections. Martin Fayulu Madidi va participer aux prochaines élections comme candidat président. Le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID l'a annoncé ce samedi devant la presse. Il s'agit selon lui d'une réponse à l'appel pressant de la population, mais aussi des leaders de la société civile dont les prélats catholiques et protestants. On l'écoute. Nous vous réunissons pour dire que notre pression a abouti à ce que, un, les Congolaises et les Congolais de tous bords s'intéressent au fichier électoral et à la transparence des élections. Deux, les églises catholiques et protestantes ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral, puis la tabulation parallèle des résultats et la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Trois, la communauté internationale continue d'exiger les élections transparentes. Quatre, enfin, M. Kabila, président de la CENI, a déclaré récemment dans une émission de télévision que la publication des résultats se fera bureau de vote par bureau de vote. Au vu de l'évolution constatée, nous avons demandé depuis plusieurs semaines que la CENI accepte de prendre tardivement les dossiers de nos candidats députés nationaux et députés provinciaux.
nous n'avons pas reçu une réponse favorable. Le contexte politique de notre pays est plus qu'interpellant. Voilà pourquoi, malgré que la CENI n'ait pas reçu les noms de nos candidats députés et ayant entendu la demande pressante de la population, la coalition Lamouka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Juste après cette annonce de Martin Fayoulou, un parti politique quitte les camps du leader de Lamouka. Dans un communiqué signé ce samedi 30 septembre, les partis politiques Alliance des démocrates pour une nouvelle république de Patrick Tshivava décident de quitter Lamouka. D'après ces documents signés par son secrétaire général Odette Blidze, cette formation politique justifie sa décision par une divergence des convictions dans cette coalition. Il faut rappeler que lors d'une conférence des presse tenue ce samedi, Martin Fayoulou a annoncé le dépôt de sa candidature pour la prochaine présidentielle dès la semaine prochaine, pendant qu'au début du processus électoral, il avait demandé à ses candidats députés nationaux et provinciaux de ne pas prendre part à ces processus. Dans le reste de l'actualité, les sénateurs adoptent 5 projets de loi de ratification et les projets de loi portant prorogation de l'état des sièges au Nord et au Nord Kivu et en Ituri. Les textes des lois ont été présentés par la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese. C'était lors de la plénière de jeudi à la Chambre haute du Parlement. Outre le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège, les sénateurs ont, au cours de la plénière, examiné 4 autres textes, à savoir le projet de loi portant code pénal congolais, le projet de loi portant code de procédure pénale congolais, le projet de loi fixant le régime des zones économiques spéciales en RDC, ainsi que le projet de loi portant création de la médaille de la vaillance pour la patrie. L'économie générale de ces textes a été présentée par la ministre de la Justice, Rose Mutombo, en présence de ses collègues Julien Paloukou de l'Industrie, Irène Sambo, ministre délégué de personnes vivant avec handicap, et Anne-Marie Karoumé des relations avec le Parlement. La ministre Rose Mutombo a souligné la nécessité de ce projet de loi qui vienne renforcer l'arsenal juridique congolais. Le projet de loi portant code de procédure pénale congolais fixe notamment les amendes à payer et les peines lorsqu'une personne est condamnée pour chantage. L'autre texte innovant, qui est relatif à la création de la médaille de la vaillance pour la patrie, il permet à tout vaillant soldat ayant perdu une partie de sa mobilité pendant une guerre à avoir des récompenses de la part de la République. Il s'agira d'une médaille, mais aussi de plusieurs autres avantages qui seront fixés par décret du Premier ministre, notamment pour une réorientation dans le milieu social. Tous ces textes ont été votés par l'Assemblée plénière du Sénat à la satisfaction des membres du gouvernement. Initialement prévu ce samedi 30 septembre, la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a plus eu lieu sur décision de son président Godempo Ikadima. Cette décision a été vivement fustigée par quelques députés provinciaux présents ce samedi à l'hémicycle. Pour ses élus provinciaux, le président de l'APK Godempo a voulu, par sa démarche, bloquer la bonne marche de l'institution en instaurant les chaos en son sein. Ils annoncent dans la foulée des poursuites judiciaires contre ces derniers. Cette déclaration a été lue par le député provincial Didier Tengetelito. L'honorable Godempo, à la tête du bureau de celle-ci, vient encore de violer grossièrement la Constitution. Se déclarant maître des juridictions qu'il avait réhabilitées, l'intéressé a par une lettre anonyme, une lettre octroyée un congé de 3 mois à son questeur, en même temps qu'à lui-même, pourtant tous les deux pleinement compromis dans un réseau mafieux de détournement et de mauvaise gestion des finances de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ils feront dans un bref délai l'objet des poursuites judiciaires devant les juridictions compétentes. Chers compatriotes, la théâtralisation de la scène politique au sein de la première institution de la ville nous impose à assister une fois de plus à un jeu de ping-pong entre membres du bureau. Le rapporteur a, conformément aux us et coutumes parlementaires, lancé le communiqué convoquant les honorables députés à prendre part à la séance d'ouverture solennelle de la session de septembre. Le président Godempo, sans aucun fondement, a quant à lui balancé tard dans la nuit, dans la soirée, un autre communiqué, cette fois-ci la décrétant l'ouverture de la session, ce qui est un outrage
à notre institution et à ses membres. Alors que le vice-président exprime sa désapprobation de la ligne choisie par son titulaire. Quinoises et Quinois, chers compatriotes, dans un état de droit, il n'existe pas d'homme fort. Il n'y a que des institutions fortes. Et très controversé, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa voudrait bloquer la bonne marche de l'institution en instaurant le chaos en son sein. Nous sommes déterminés à le mettre hors d'état de nuire. En définitive, considérant la crise à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous, députés provinciaux, ici et maintenant, prenons l'engagement de mettre fin à cette situation pas digne de notre peuple en en tirant, le plus vite possible, toutes les conséquences de droit pour que vive l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Quittons la politique pour parler société dans cette édition du journal. Elle a lancé il y a quelques mois les travaux de construction de l'avenue Kulumba, compris entre les terrains Wayawaya jusqu'à l'avenue Poids Lourd, dont la commune de Limaté avance de manière satisfaisante. À l'heure actuelle, l'entreprise qui exécute ces travaux pose des bordures avant les bitumages. La bonne évolution des travaux constitue un motif de satisfaction pour les usagers et les habitants des coins de la commune de Limaté. D'ici quelques semaines, les usagers de l'avenue Kulumba au quartier Kingabo à Limaté rouleront sur une voie bitumée. Les travaux de construction, compris entre les terrains Wayawaya jusqu'à l'avenue Poids Lourd, avancent à grands pas. L'entreprise Safimex, qui exécute ses travaux, a parachevé la construction des caniveaux et s'attaque désormais aux derniers détails avant les bitumages. Ça me fait plaisir parce que c'est la première fois qu'on puisse voir un peu les travaux de cette manière, parce que jusqu'à maintenant, depuis l'existence du quartier Kigabwa, nous n'avons jamais vu la route comme telle. Et c'est à peine qu'on vient de voir tout ça, alors ça nous fait plaisir. Donc je pense que nous, on est en train maintenant de penser à Kigabwa. Et si ça continue comme ça, ça pourrait quand même nous faire des balles. Kulumba comme kitoko, comme vraiment bien ma case. Bon, de là où il y a kitoko, il faut bien s'en débattre là. Tu bats ton sens que tout ce qui est en train de se faire, il faut bien s'en débattre. Il faut bien s'en débattre. Finir le plus tôt possible ces travaux, voilà les souhaits de tous les habitants de ces quartiers avant les pluies intempestives qui s'annoncent. Les gens sont énormes, mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Force. Donc, Banzela News tout, on a bien appris que ça a la bonne lumière et que ça a la donc qui tourne à la penza malade. Le coup, la boule les oeufs, toujours c'est un peu moins rapidité. Ça a la ça, comme on appelle ça, Safimex, n'est pas d'autant que ça nous sala. En tout cas, tous un espoir ou un an, c'est là, mais c'est un malade. Et toujours c'est un bon cas, le quoi, c'est un bandit boy vraiment bako matina souka et que ça a vraiment et l'eau comme quoi il y a bien et que ça a bien ma case. Ces travaux sont exécutés avec comme objectif fluidifier la circulation, mais aussi lutter contre les embouteillages et les inondations. Un bon soir avant de nous quitter, après trois saisons d'absence, les tout-puissants Mazembe CIC à la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF pour la saison sportive 2023-2024. Les Corbeaux Luchois ont obtenu ses tickets qualificatifs après son large succès 4-0 face à la formation de Niassa Big Bull de Malawi. C'est samedi 30 septembre à Lubumbashi dans son entrée des Kamalondo avec un score cumulé de 5-0. Ça en est fini pour cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Radio 30 TV.